mes chers Loungers, en direct de Montréal, nos bureaux du Agile Lounge qui sont situés dans l'excellent travail partage en français qu'on dit, coworking du crew collectif sur la rue Saint-Jacques dans le Vieux-Montréal. Alors, je suis très content de vous accueillir virtuellement. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà venus ici participer à des ateliers, des coachings personnels. C'est Loungy, c'est sofa, c'est vieux. Vous entendez l'écho des plafonds de je ne sais pas combien de pieds ou de mètres. Et puis, on commence avec un vlog francophone. J'ai eu certaines plaintes, non pas de l'Office de la langue française du Québec, mais apparemment que les franglais dérangent un peu les gens. Et puis, on va essayer de plaire à l'ensemble de la communauté montréalaise, qui est une ville officiellement francophone, la deuxième grande ville francophone au niveau international, juste après Paris et un peu avant Lyon et Dakar au Sénégal, qui évolue grandement pour peut-être un jour prendre la place de Montréal ou Lyon, qui sait. Mais cela dit, on va un peu faire notre rétrospective Agile Lounge, tout en parlant de notre brand, de notre marque Agile Lounge qui est en pleine évolution. Donc cette semaine, ça a passé des choses excellentes, motivantes et dynamiques, entre autres mardi avec sous la co-création, l'instigation, le courage de Stéphane Leblanc. Il y a eu le sommet mondial sur le leadership conscient qui s'est déroulé au Palais des Congrès avec près de 300 participants, si ce n'est pas plus, des conférenciers intéressants d'un peu partout sur la planète, dont Bob Anderson qui nous a présenté Scaling Leadership. Et puis moi, comme vous le savez, je fais beaucoup de connexions. Ça fait partie de mes trois piliers de ma raison d'être avec le brand Agile Lounge. On parle de business agility, qu'on peut traduire approximativement en français par agilité d'entreprise ou organisationnelle. Vous savez, en français, des fois, les mots n'ont pas le même poids qu'en anglais. Business, c'est les affaires. Donc, on devrait traduire agilité des affaires, mais on parle d'entreprise. Et puis, enterprise, donc, il faudra qu'on se décide en français. Mais en tout cas, c'est business agility. Et puis, qui va être essentiellement teinté de mon ancien mentor avec l'Enterprise Scrum, qui est une façon substantive et évolutive et empirique de pouvoir amener le scaling. Et puis, si on parle de scaling, évidemment. Et puis, avec Bob Anderson, il y avait aussi Alan Seal qui nous a parlé de Transformational Presence. Encore là, je ne suis pas un traducteur, mais ça serait mettre un peu d'intention par présence ou de la présence transformationnelle. Donc, deux sujets, hein, scaling et transformation, qui touchent beaucoup notre monde de l'agilité avec des débats d'opinion. Mais qu'est-ce que c'est basé sur les faits et l'expérience que l'on fait avec nos équipes, avec nos organisations et avec surtout les gens qui vivent ce monde du travail, cette effervescence du monde du travail. Également, j'ai assisté par curiosité au Tableau Blanc, donc un autre endroit de travail partage à Montréal, dans Saint-Henri, dans le magnifique building RCA, dont je suis membre bénévole pour la préservation historique de cet aspect industriel à Montréal. Donc, on a assisté au show qui est Chair Happiness Officer, s'il vous plaît. Donc, on présentait un peu c'était quoi ce nouveau métier. Donc, certains sont sceptiques, certains sont enthousiastes. Il faut regarder dans quoi ça se passe. J'ai réalisé qu'à ce moment-ci, dans le développement, ça fait à peine 4 ans que ça existe. Donc, c'est des idées intéressantes pour justement voir l'évolution de la conscience dans le monde du travail. Et puis, c'est happiness. Mais vous allez voir qu'avec mon autre pilier de freedom mindset lifestyle, où on parle qu'on est une personne entière, qu'on parle que l'happiness, le bonheur n'est pas une fin en soi, c'est pas le outcome. Et puis, donc, on se pose souvent la question, l'œuf ou la poule. Donc, dans l'œuf ou la poule, on va avoir être heureux, donc être heureux, versus se sentir, avoir un sentiment d'accomplissement. Donc, happiness, fulfillment. Donc, il faut se poser la question, lequel vient avant? Est-ce que si vous êtes tout simplement heureux, et ça dure combien de temps être heureux? Est-ce que c'est le carpe diem, c'est l'instant présent? Donc, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. Alors, c'était une semaine palpitante au niveau de la découverte de l'aspect psychologique, comportemental, l'élévation de la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? Qu'est-ce que c'est la conscience en affaires? Comment on est un leader conscient? Comment on devient un leader conscient? Quelle est la raison d'être du leadership conscient? Comment le leadership conscient peut aussi faire grandir l'agilité consciente? Hein? Parce que de plus en plus, l'agilité, comme je le dis dans plusieurs blogs, je ne veux pas devenir emmerdant avec ça, mais il faut vraiment se poser la question introspectivement, extrospectivement, co-créativement sur est-ce que agile va seulement être un buzzword, est-ce que ça va être seulement vu comme un adjectif
qu'on adjectivise, hein, ou on va s'en servir réellement pour transformer nos cultures organisationnelles, pour transformer nos rapports interactifs que l'on a en entreprise, hein. Quand on parle du principe affaires, ETI qui travaillent ensemble, et même à l'intérieur des ETI, toutes les strates qu'il peut y avoir, hein, les gens vont parler de DevOps, mais finalement, est-ce que c'est le takeover des ops sur le DevOps? C'est pas ce que Mike Oukalis nous parlait dans DevOps. Non, au contraire, c'est vraiment l'enrichissement de la culture de partage, de co-création, de coopération, de collaboration. Est-ce qu'on peut enfin le faire? Est-ce qu'on peut enfin le faire pour soi-même, dans les organisations pour lesquelles on travaille, et ensuite dans le monde, hein, on va tomber dans le service, hein, du leadership conscient, où toutes nos actions sont reliées. Nous sommes une personne entière, encore une fois, je le rappelle. Alors, je veux faire vivre mes trois piliers. Je suis en apprentissage pour deux des trois piliers. Je ne dis pas que je n'ai plus rien à apprendre en termes d'agilité organisationnelle. Au contraire, et puis Scrum également, même si ça fait plus de 20 ans que je les pratique. Donc, moi, je ne suis pas agile ou je ne fais pas agile. Je le vis. Alors, c'est aussi une autre question. Alors, je voulais simplement vous faire ce petit coucou, ce recap, cette rétrospective au AgileLounge en français. Et puis, voilà, il y aura sûrement autre chose. Hey! Il y aura sûrement autre chose qui suivra. Alors, je vous invite à vous abonner au canal de AgileLounge sur YouTube pour partager cette conscience, cette agilité, si ça vous plaît. Vous allez peut-être sparker quelqu'un, enabler quelqu'un. Je vous invite également à me suivre sur Facebook maintenant. On a une page. Donc, AgileLounge sur LinkedIn pour recevoir des blogs, des conseils gratuits. Et puis également, regardez dans la description, vous avez un lien pour vous inscrire sur votre heure de consultation gratuite, que ce soit pour l'introduction à l'agilité, introduction également à Talent Agile. Hein, c'est notre atelier de marque. On rencontre de plus en plus de gens au Lounge et même dans leurs entreprises pour parler de Talent Agile, sur les rôles agiles, sur les rôles aussi qui sont dans le monde des affaires traditionnellement ou dans le monde du travail traditionnellement et qui, on peut justement mettre un peu plus d'agilité à l'intérieur de ces rôles-là. Comment on recrute ces gens-là? Comment on sensibilise pour les agences de recrutement ou les agences de talent broker, comme ils aiment s'appeler? Comment on peut sensibiliser notre client, comprendre ses besoins en agilité pour les différents postes? Et ça va pour tous les métiers, tous les rôles, de développeur au UX designer, à l'analyste fonctionnelle, à l'analyste d'affaires. Donc, comment ces métiers-là, que les gens de ressources humaines, qui deviennent de plus en plus les personnes et la culture, people and culture, comme on dit en anglais. Et également, dans Talent Agile, on fait toujours au AgileLounge. Oui, il y a un atelier qui est annoncé sur Eventbrite, vous pouvez vous inscrire. Par contre, moi ou deux ou mes deux autres coachs assistants vont vous appeler et vont un peu tailorer, ils vont adapter un peu vos besoins. Parce qu'on veut que ce 2 heures à 3 heures-là d'atelier en petit groupe soit le plus bénéficiant, le plus satisfaisant pour vous en termes d'outcome. On veut vous créer un outcome, un spark qui va vous partir, et on veut que ça parle à votre contexte d'entreprise également. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura jamais, hein, c'est vraiment du jazz, il n'y aura jamais un atelier qui sera pareil, ou presque. Il y a une base, oui, évidemment, on a une base, on a monté les ateliers en fonction d'une base, mais on veut que cette base-là soit adaptée à ce que vous venez chercher au AgileLounge. Alors, like, aimez cette vidéo si vous l'aimez, partagez-le pour illuminer quelqu'un d'autre, et je vous dis une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure que vous voyez cette vidéo. Thank you.